30 000 mètres carrés dédiés au voyage. Bienvenue à Topresa, le salon international du tourisme de Paris. La Corse fait partie des 200 destinations représentées. Un outil marketing incontournable pour les professionnels. Benoît, hôtelier à Portici, vient depuis 10 ans. Nous, on travaille toujours avec quasiment toujours avec les mêmes tour opérateurs, mais ça permet de mieux préparer la saison suivante. En termes d'occupation, aujourd'hui, je vais rencontrer 80 à 90% de mon taux d'occupation. Considérée comme la grande messe du tourisme, Topresa permet aussi aux acteurs des transports insulaires de drainer une partie de leur clientèle annuelle, mais aussi de chercher de nouvelles cibles. Ce salon représente l'ensemble de nos cibles en termes de distribution et de commercialisation en business to business, c'est-à-dire avec des distributeurs, des agences de voyage, également des tour opérateurs qui sont les concepteurs de voyage, etc. En proportion, ça représente environ 15%. De l'ensemble de notre trafic passager sur les destinations. On vient ici faire la promotion de notre programme des vols, de montrer justement les destinations, de montrer également l'attractivité de notre offre tarifaire, de nos produits, de nos services. Tout ça, c'est très important, évidemment. Et ça permet à d'autres acteurs, à d'autres partenaires, de faire le choix, de travailler avec nous. Pour l'Agence du tourisme de la Corse, cette année, il s'agit de faire dans le qualitatif en réglant notamment le problème de la surfréquentation et en se tournant vers un tourisme plus durable. Il y a plusieurs insulaires présents sur le salon et ils ont tous le même problème que nous. Et ce qu'on constate dans les expériences, notamment par exemple des Seychelles, c'est qu'on joue sur la qualité, moins de quantité bien sûr. Donc vous voyez, ce salon, c'est pas non plus... L'objectif n'est pas non plus de faire venir plus de monde, mais de trouver la bonne niche de marché. L'offre touristique insulaire se diversifie et change de visage. L'an dernier, par exemple, la Corse a été placée parmi le top 10 des destinations les plus attractives pour le tourisme d'affaires.